Yo, toute nouvelle vidéo réaction France vs Pologne. La France est qualifiée en quart de finale grâce à un très bon match de Olivier Giroud, de Tchouaméni et de... Attendez, tac, j'ai un poil. Allez. Et de Kylian Mbappé qui a mis un doublé. On va faire les notes. Olivier Giroud, on va lui... Hugo Lloris, on va lui mettre un 7. Le penalty à la fin? Il n'y a pas penalty. Parce que Upamecano, il se retourne et ça tombe sur sa main malheureusement. Et bien sûr, le penalty que Lewandowski a loupé et a retiré. En fait, il a mélangé du Neymar et du Jorginho. Et bien sûr, il a... ça rate. Hein. Donc, Hugo Lloris 7. Théo 6,5. Il a été bon. C'était qui? Varane. 6, je l'ai pas vu. Peut-être parce qu'il jouait pas. Si, si, il jouait. Avec ou pas Mécano. On va lui mettre un 7 pour match malgré le penalty. Jukunde 7, bon. Rabiot 6,5, moyen, mais il est bon à cette Coupe du Monde, donc on va rien lui dire. Tchouaméni 8. Très bon. Kylian Mbappé. 9,5. Olivier Giroud, 8,5. Et Dembélé, 5. Pas de super fou. Premier but. Olivier Giroud qui marque d'un beau plat du pied où les joueurs n'auront pas suivi. Deuxième, Mbappé enroule. Il regarde Chesney, il enroule. Premier poteau. Deuxième but. Mbappé regarde Chesney, il enroule. Mais deuxième poteau lucarne. Et le premier, c'est deuxième poteau lucarne. Premier poteau lucarne. Donc voilà. L'équipe de France sont qualifiées pour les quarts de finale. Donc, ils joueront soit face au Sénégal, soit face à l'Angleterre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que les débriefs vous aimez bien. Moi, j'adore aller faire les petits débriefs pour donner mes notes et tout. Mais en tout cas, la France est juste extraordinaire et peut gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo demain pour regarder contre qui la France joue. Et les points forts et les points faibles, bien sûr. Donc voilà, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo demain. Ciao!